C'est con comme la vie. Non, mais de toute façon, il va falloir qu'il s'habitue tout seul. Fasse comme tu veux. Hein. Non, bah, non, pourquoi tu les colles pas? Eh ben, c'est ce que j'ai proposé, je crois. Bah, les Alex. En face de l'écolage? Ouais. Ah, bah ouais, attends, faut pas s'en priver. Oh. Mais tu peux poser dans ta voiture, pas que ce soit la fin. Bon, bah, vas-y, finis ta clope, moi je vais m'en allumer une vite fait. Allez, tu manges, Val. On va leur prêter là, ta radio, le temps 2. Parce que franchement. Merci d'être venu. Mais je m'en prie. Au revoir. Ah, tu reviens? Attention, tout ce qui est posé sur le toit est à moi. Hein. Tout ce qui est à. Papa! Par contre, avec cette cam, si vous avez des boutons, ça va se voir. C'est pas bon pour l'acné. Bon, toi, t'es pas rasé, ça va se voir tout de suite. Tu crois que tu verrais bien avec la face cam? Je veux voir. Ah, bah ouais. Oh putain. Ah, oh putain. Quelle horreur. Mais quelle horreur. T'as déchiré ce matin? Non. Bah, hier? Ah si, mais j'ai pas essuyé quoi. Parce qu'il y a encore un bout de PQ, c'est pour ça. Et ma bite, tu l'as. Oh putain. Elle est en forme. Oh, il perd, qu'est-ce qu'il perd? Il perd son téléphone, il perd tout. C'est mon sextoy. Oh mon dieu. T'es prêt? On est lancé, je te le fais. Ah, c'est bien, du genre. Pour le lancer, tu mets les gaz aux 3 quarts. Donc le crash, c'est gaz aux 3 quarts et on ferme les yeux. On va rigoler quand tu vas mettre ton 500 en l'air. Attends, non mais moi je le fais pas. On va rigoler. Je vais le laisser comme ça d'ailleurs. Oui, j'ai pas acheté de lipo de toute façon. Non, tu le mets comme ça chez toi sur un mur, c'est joli. Ça vole tout seul. Putain, hein, ces putains de chasseurs, ils nous font chier. Ils couratent la galinette et le petit lapin. Oh, puis là, il y a de la cochonne. Hein. Ah bah regarde, il y en a deux là-bas. Ça, c'est de la cochonne d'élevage. Putain, alors des vélos, il y en a sur la route, il y en a sur les chemins de campagne, il y en a partout. On en veille. Ah, attention, nouveau lancé. Le Seigneur a décidé de te rappeler à lui. N'oublions pas la chanson. Plus près de toi. Près de toi. Vas-y, va en haut. C'est bon, à droite. Vas-y, essaye de voler le plus doucement possible. Il a acheté une Futaba, une 6EX. J'ai dit qu'il faisait une connerie. Mais il m'a pas écouté. Fait le Pan Spectrum. J'ai dit pour le même prix, t'as une VX6, puis ça n'a rien à voir. Parce que ça, c'est. Autant que la DX7 et la T7 de chez Futaba, bon. Après, c'est une question de préférence, quoi. Attention, il y a un bout de fil qui pend entre vos radios. Je pense que c'est un barbelé, un truc comme ça, non? On va faire un beau barbecue. Tu veux que je la lance? Non, on va faire un beau barbecue. T'as pas sorti ton antenne? Mais c'est pas grave. Y'a pas besoin. Attention, on va faire un beau barbecue. C'est vrai? À quoi ça sert l'interrupteur là? Vas-y. Est-ce qu'on peut toucher vos radios pendant que vous volez? Non. Mais pourquoi? Parce que c'est un paradis.